coûter un mois dans les dents. Mais normalement, nous signons vendredi à 11h30 l'acte de vente pour l'achat de notre bâtiment. Gloire au Seigneur. Néanmoins, priez. Hein, parce que l'expérience nous montre que tout n'est pas toujours gagné, d'accord? Le rendez-vous est pris, on prie. Moi, je crois que je vais regarder mes mails jusqu'à jeudi minuit pour être sûr que je ne reçois pas un mail qui me dit bah, finalement, voilà, on veut bénir aussi tous les autres parties, la société ADJL, voilà, qui comprend eh bien, les personnes qui sont actuellement les propriétaires et qui nous vendent. On veut bénir aussi le notaire, hein, prier pour eux, demander au Seigneur de les bénir, de poser sa main sur eux. Et puis, on demande à Dieu de conduire toutes choses. Donc ça, c'est pour vous, dans vos cultes personnels. Et je salue tous les frères et sœurs qui nous rejoignent sur YouTube. On va louer, adorer le Seigneur. Comme vous pouvez l'entendre, ma voix n'est pas au meilleur de sa forme. C'est la raison pour laquelle je délègue le micro à ma voisine de droite. Oui, on prend le chant Dieu a une armée. Qui se lève. Je dis ça, je dis rien. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, lève ta bouche. Dieu veut l'Esprit de Dieu qui l'emmène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu qui l'entraîne, l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut Agneau de Dieu, sois la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut Amen. Dieu veut parler. Vous imaginez, j'aime beaucoup ces paroles. Peuple de Dieu, toi, ouvre la bouche. Ce que Dieu veut utiliser pour parler. Amen. Hein? Des fois, on s'accorde un peu moins d'importance. En tout cas, beaucoup moins d'importance que celle que Dieu nous accorde. Il a jugé bon de donner son Fils unique pour chacun d'entre nous. Alléluia. Amen. On a du prix à ses yeux. Amen. On a du prix aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle, lorsque tu passes par des moments difficiles, tu peux te confier en lui. Tu peux t'abriter à l'ombre de ses ailes, comme le dit le psaume. Et si tu passais par des moments difficiles, par l'orage, par la tempête, comme lorsque les disciples étaient dans la barque, eh bien, le Seigneur peut faire taire la tempête. Amen. On chante ce chant qui dit « Abrite-moi ». Sous tes ailes,
guide, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Mon Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent. Je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je mets les océans se déchaînent. Je les traverserai. Tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Amen, c'est vrai, Seigneur. Nous n'avons pas fait que chanter un chant qui sonne bien, avec des accords, avec des paroles. Non, je crois nous l'avons chanté, nous avons chanté la vérité. Lorsque tu es là, Seigneur, nous sommes en paix. Et tu disais même, parfois, tu ne comprenais pas pourquoi tes disciples avaient peur. Et tu reprochais à Pierre qui s'enfonçait dans le... Pourquoi as-tu eu peur? Parce qu'en fait, en réalité, ta présence, c'est la paix. Ta présence, c'est la joie. Et il nous faut mettre la mesure de foi, croire que c'est vrai. Tu restes la paix, la Bible déclare, tu es le prince de paix. Seigneur, je veux croire, non pas simplement chanter, mais placer ma foi dans un texte qui est inspiré de la Bible dans laquelle toute ma foi va. Je crois en ce que dit ta parole. Sois glorifié Jésus, sois glorifié notre Seigneur. Tu es notre paix, tu conduis toutes choses. À toi la gloire, Seigneur. Amen. Pouvons-nous louer le Seigneur quelques instants et le remercier pour qui il est? Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Oh, prenons le temps d'ouvrir notre bouche. Alléluia. Oui. Oui, Jésus. Oui, Seigneur. Alléluia. Oh Jésus. Je te loue pour ta fidélité, Père. Je te loue pour ton amour, Seigneur. Je te loue pour tous tes bienfaits. Merci parce que tu es là. Merci parce que c'est vrai que nous sommes protégés, nous sommes sous ta protection. Oui, Seigneur. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Seigneur, parce que tu veilles sur nous chaque jour. Oh, même Jésus. La nuit, tu es là. Seigneur, oui, mon cœur veut te louer, mon cœur veut t'adorer, parce que je sais que je ne suis rien sans toi, Seigneur, et je sais que je n'y arriverai pas aussi sans toi. Merci d'être avec moi,
Merci d'être avec ton Église. Dans chaque situation, tu es là. Dans chaque moment, tu es là. Qu'elle soit difficile ou pas, mais tu es là. Tu es avec nous. Tu as dit que tu es là avec nous chaque jour, Seigneur, et jusqu'à la fin. Tu n'es pas un Dieu menteur, mais tu es un Dieu qui tient ses promesses. Tu es la vérité. Tu es celui qui nous donne des promesses chaque jour. Tu es celui qui vient combler nos cœurs chaque jour de ta paix, de ta joie. Tu viens nous donner ton repos, Seigneur. Tu viens nous donner tout ce qui vient de toi. Et je te dis merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Et tu veux nous apporter chaque jour encore le meilleur, Seigneur mon Dieu. Tu veux nous donner encore plus chaque jour. Tu veux nous prendre par la main encore plus chaque jour et nous emmener encore plus loin, même si les difficultés sont là, même si les situations sont là, mais tu es au-dessus de tout, Seigneur. Et c'est pour ça que je veux te louer, t'adorer pour ce que tu es, le Dieu qui règne pour l'éternité, le Dieu qui règne pour l'éternité, le Dieu qui demeure pour l'éternité. Tu ne changes pas et tu restes Dieu. À toi la gloire, Seigneur. À toi la louange, Père éternel. À toi la gloire, mon Jésus-Christ. Tu es vivant. Tu es vivant. À toi la gloire, Jésus. Alléluia. Tu es béni, Seigneur. Tu es béni, notre Dieu. Tu es Dieu. Merci, Seigneur, pour ces moments dans ta parole. Ta parole est la vérité. Jésus est la parole faite chair. Tu dis, Seigneur, dans l'évangile de Jean, que la parole était au commencement. Et nous voulons, Seigneur Jésus, prendre conscience. Et même tu dis, la parole était Dieu. Nous le prendre conscience de ce que c'est que de prêcher la parole et que de la recevoir, ce n'est pas rien. C'est recevoir le cœur de Dieu. C'est écouter Dieu nous entendre. C'est-à-dire, en tant que ton serviteur, je t'en supplie, parle par ma bouche, fais taire ma chair. Afin que le peuple soit béni. Je veux être transparent. Tu sais, parfois, la difficulté avec la fatigue que ça peut être, mais Seigneur, mon cœur est à toi. Dispose. Dispose de chacun d'entre nous ce soir. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Dieu veut parler. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Je voudrais commencer par saluer les frères et sœurs qui nous ont rejoints sur YouTube. Je vois que maman n'est plus là, mais qu'elle est là cette fois. Salut Karine, un gros bisou. Elodie également. Cindy et Steven qui n'ont pas pu être des nôtres ce soir. On vous embrasse vraiment. Et puis bien, je ne vois pas forcément d'autres commentaires. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous bénisse après tout. Amen. Alléluia. Voilà. Nous arrivons très bientôt à la fin de cette année scolaire. Et c'est toujours pour moi l'occasion, et je voudrais vraiment vous inviter à le faire, le bilan. Faire le bilan. Se dire, est-ce que... Et je m'essaie toujours de me dire, enfin, est-ce que j'ai avancé avec Dieu ? Qu'est-ce que j'ai encore à changer ? Qu'est-ce que j'ai à améliorer ? Et j'essaie et je prie pour que le Seigneur continue cette œuvre en moi et dans... l'Église. Pour ma part, je ne voudrais pas me complaire ni me satisfaire, mais je dirais que le bilan de l'Église, en tout cas, est bon. Moi, je bénis Dieu pour ce que j'ai pu vivre dans cette année scolaire, septembre à juin, ici dans l'Église. Nous avons vu, c'est vrai, une belle croissance. Nous avons vu des âmes venir au Seigneur également. Et puis, surtout, nous avons vu, je crois, des frères et des sœurs grandir sur le plan spirituel. C'est bien que vous êtes pasteur, que vous voyez des gens qui grandissent sur le plan spirituel parce que vous sentez l'aide, vous sentez le soutien dans la prière, vous sentez ces choses-là. Et c'est très important et je prie Dieu, je prie le Seigneur pour que nous puissions continuer à avancer avec Dieu. Juste, est-ce que ce n'est pas un peu fort? Ouais, je te laisse Serge, si tu veux bien. Non, attends, ça, je vais le faire parce que comme il connaît un peu le... C'est bon ? Voilà. Personnellement, moi, je ne veux pas me satisfaire et me dire, ah, c'est bon, non, ça me challenge. Ça, je me dis, c'est-à-dire qu'on peut aller plus loin. L'Église peut encore aller de l'avant.
Parce que n'oublions pas que notre Seigneur est parfait. Et quand on parle d'arriver à la stature parfaite de Christ, on parle de la perfection, quoi, hein, du summum. On peut donc encore progresser, encore aller plus loin, et on peut grandir, on peut croître. Il nous faut le vouloir chacun, évidemment, d'une façon personnelle et individuelle. Ce soir, est-ce que vous avez envie d'aller plus loin avec Jésus ? Amen, hein ? Amen. Est-ce que tout au long de l'année scolaire qui arrive, je parle, l'année 2022-2023, comme on dit, est-ce que vous avez envie de franchir un cap ? Et c'est le titre de mon message ce soir, franchir un cap. Eh ouais, franchir un cap et de progresser. Si oui, ce message est pour toi. J'aimerais faire une lecture, Matthieu chapitre 26, verset 31. Et le choix de ce passage va vous sembler peut-être un peu étrange, mais je vais m'en expliquer. Vous savez que j'aime bien parfois prendre des parcelles d'histoire qui vont vers quelque chose, et après je reprends globalement et on comprend davantage. Mais vous allez très vite le comprendre. Matthieu chapitre 26, verset 31 à 37. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous. Cette nuit, une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même avant que le coq chante, « Tu me renieras trois fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Amen. Rapidement, le contexte. On est J-1, nous sommes à la veille finalement de la crucifixion du Seigneur, mais nous sommes le jour, le soir de son arrestation. Jésus s'apprête à être trahi par Judas et il commence à l'annoncer et les disciples réagissent notamment. Voyons ici la réaction de Pierre ici. J'ai choisi ce texte, c'est parce que dans ce texte, il y a deux éléments très importants qui sont présents et qui permettent aux chrétiens de passer un cap. Oui. Ils ont l'air cachés comme ça, mais ils ne sont pas si cachés que ça. Il y a deux éléments à l'intérieur qui permettent vraiment de nous aider à passer un cap. Le premier élément, pour passer un cap, pour franchir une étape, c'est qu'il faut en avoir envie. Non. Il faut en avoir très envie. Comme disaient nos vieux pasteurs, il faut avoir soif, il faut avoir faim, il faut se dire je peux vivre plus. Et croyez-moi, c'est une condition sine qua non. Hein. Si tu n'as pas envie, Dieu ne va pas forcer la porte de ton cœur. Mais si tu dis j'ai soif, j'ai envie, je veux. Oh, il y a déjà le premier élément très important pour t'aider à franchir un palier, un cap. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte. Personne ne peut remettre en question le fait que Pierre avait envie. Il avait toutes sortes de défauts, hein. On est d'accord. Il avait toutes sortes de... Ok, mais Pierre avait envie. Il avait vraiment envie de passer un cap, il avait envie de suivre Jésus, il avait envie, il y en a d'autres, il y avait Jacques et Jean, vous savez, un qui voulait être à gauche, à la droite de Dieu, de Jésus quand il serait dans son royaume, mais il partageait, Pierre partageait justement ça très particulièrement avec Jacques et Jean, d'être avec Jésus, de grandir avec Jésus, d'avancer avec Jésus, d'aller plus loin avec Christ, et c'est important de partager nous aussi la même envie. Dans ce texte, on voit de façon apparente le désir de Pierre, l'envie de Pierre de suivre Jésus et de continuer sa marche en avant parce que lorsque Jésus dit à ses disciples « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute », il n'y en a qu'un qui répond, c'est Pierre. Et qu'est-ce qu'il dit ? Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Vous savez, on sait tous que Pierre parlait au-dessus de ses forces, mais moi je peux vous dire qu'il le pensait.
Il le pensait vraiment. Il n'était pas conscient de ses limites. Il pensait vraiment qu'il pouvait y arriver. Mais quand il dit ça, il a vraiment soif de Jésus. Non, je t'aime trop, Jésus. Et il aime Jésus. Il l'aime vraiment. Surtout, lorsque Jésus dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me réuniras trois fois, Pierre va montrer ce qu'il a dans le ventre, son envie de ne pas trahir le Seigneur. Et là, c'est vraiment au-dessus de ses forces, mais il a ce cœur-là. Verset 35, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. C'est que Jésus, et là, Pierre est en train de dire à Jésus, mais eh bien, quand ils vont t'arrêter, eh bien, je me ferai arrêter aussi, et j'irai sur la croix avec toi. Ok, on sait tous que ça ne s'est pas passé comme ça. Ouais, mais Pierre avait envie. Vous savez, quand on a envie, on n'a pas forcément la force. Hein. Dieu voit le désir dans notre cœur. Et c'est lui qui donne la force. Alléluia. C'est lui qui nous donne la force. Moi, je crois vraiment que malgré tout ce qu'il était, Pierre était sincère. Je crois qu'il avait vraiment envie d'aller plus loin avec Jésus. Je crois qu'il... Il ne mentait pas quand il disait sacrifier sa vie. Mais bien évidemment, nous savons qu'il n'était pas capable réellement de le faire. C'est comme celui qui voudrait gravir une montagne, mais qui n'a pas la force de le faire. Il a envie, il a l'équipement, mais il n'a pas la force. Comment pourrais-tu réaliser cette prouesse ? On ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas été disponible plus souvent pour Jésus, parce que son envie ne se voit pas que ce soir-là. Pierre, son envie, vous le voyez tout au long de son ministère. Tout au long de sa vie, vous voyez combien Pierre avait envie d'aller plus loin avec Jésus. Nous l'avons lu, puisque c'était le dernier texte, le verset 37, dans le jardin de Gethsémané, ils étaient trois. Pierre, Jacques et Jean. Ces trois-là partageaient la même envie d'aller plus loin. Il est dit, Jésus prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Pierre était toujours parmi ceux qui étaient les plus proches de Jésus. On le voit dans bien des passages, comme lorsque Jésus était sur la montagne et qu'il fut transfiguré. Qui était présent ? Pierre, Jacques et Jean. Matthieu 17, verset 1 nous dit, ces jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. C'est là que Jésus fut transfiguré. Lorsque Jésus ressuscita une jeune fille de 12 ans, hein, Talita Kumi, je te le dis, jeune fille, lève-toi. Eh bien, qui était présent ? Pierre, Jacques et Jean. Marc 5, 37, et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Pourquoi eux ? Est-ce que Jésus ferait-il du favoritisme ? Est-ce que Jésus dirait aux 12, aux 9 autres qui ne venaient pas, « Bon, vous, je vous aime moins, alors je ne vous prends pas. » Voilà. Non, ce n'est pas Jésus qui fait ça. Je crois que simplement ces trois-là voulaient être partout où Jésus se trouvait. Alors Jésus les prenait. Trois qui désiraient vraiment passer un cap, aller plus loin avec Jésus. Soyons de ces trois-là, de la trempe de ces trois-là. Vous aviez demandé à Pierre de quitter Jésus, de ne plus le suivre. Jésus, Pierre, quitte Jésus. Il vous aurait répondu, comme dans Jean 6, à qui d'autre irai-je ? Il a les paroles de la vie éternelle. Donc on voit vraiment hein, que Pierre avait envie. Comprenez-moi bien, je ne dis pas que Pierre avait la force de suivre Jésus, je dis qu'il en avait le désir. On est d'accord là-dessus. Il était fougueux, il était impulsif, il parlait parfois de travers, il coupait des oreilles parfois aussi, il avait cette tendance-là visiblement. Mais la force lui manquait. Jésus lui dit, non Pierre, non, non. Pierre, je vois ton cœur, je sais que tu as envie, mais tu n'as pas la force. Ce n'est pas comme ça que Jésus va lui dire, mais Pierre, le coq, lorsque le coq a chanté trois fois, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Je vais le relire parce que je dis des bêtises. Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, merci, tu me renieras trois fois. Ok, mais ça suffit. Là, aujourd'hui, on a le recul, on connaît les évangiles. On connaît les actes des apôtres, on connaît les épîtres, on sait tous ce qu'il en sera de Pierre. Pas vrai ? Ça a marché. Pourtant, il a raté. Comme nous, parfois, nous avons raté.
Nous avions eu le désir de suivre Jésus, ça nous est arrivé. Et parfois, nous avions flanché, parfois même, nous avons chuté. Et pourtant, nous avions le cœur d'aller plus loin. Envie comme lui. Peut-être tu t'es découragé, mais Seigneur te dit ce soir, garde ton envie. Garde tes désirs pour Dieu. Regarde Pierre. Étais-tu pire que Pierre ? Ce qu'aime bien avec Pierre, c'est que c'est un vrai humain. C'est vraiment l'humain humain, quoi. Vous voyez ? Ça que j'aime bien avec lui. On peut largement s'identifier à ce personnage biblique. Quand on voit le chemin parcouru plus tard, on se dit, c'est vrai Seigneur, si tu l'as fait pour lui, peut-être que tu peux le faire pour moi. Il nous faut l'envie, la même envie qui habitait le cœur de, par exemple, Jacob. Jacob signifie le trompeur. Hein. Donc on appelait souvent les gens en fonction de ce qu'ils étaient. Hein. Il avait mal commencé la vie lui quand même. Hein. Et imaginez, il avait toutes sortes de défauts, mais malgré tous ces défauts, tous ces problèmes internes, externe, parce qu'il avait beaucoup de problèmes externes, hein. Jacob avait envie de franchir un cap. Et j'aime bien cette histoire, si vous allez dans Genèse 32, vous allez lire que Jacob va passer le gué de Yabok. J'avais déjà prêché là-dessus, rappelez-vous, il y a des années en arrière, ça fait au moins 4-5 ans que j'ai prêché là-dessus, et le gué de Yabok, c'est-à-dire c'est un ruisseau qui passait, il va prendre ses enfants, ses femmes, il va passer le gué de Yabok. Et à partir de là, quelque chose va se passer dans la vie de Jacob. Rappelez-vous, on est dans Genèse chapitre 32. Il est là, il médite très certainement, on se dit, mais quelle sera ma vie ? Et moi, je crois qu'au fond de son cœur, il aspire après Dieu, même si ce n'est pas écrit. Parce qu'il va quand même, il sait très bien qu'il va rencontrer Ésaü. Il y a de quoi prier quand vous rencontrez Ésaü. Quoi dire, Seigneur, au secours, quoi. Voilà. Et il sait très bien qu'il va rencontrer Ésaü. Et là, la Bible dit qu'il lutta avec un homme. Moi, je crois que c'est le Fils de Dieu. Alléluia. Moi, je crois que c'est Jésus-Christ. Je crois que c'est une théophanie, mais au-delà de ça, c'est même presque une christophanie avant l'heure. Même si, doctrinalement, c'est pas exact de dire ça, d'accord ? Mais je crois vraiment que, comme certains commentaires bibliques que j'ai lus, oui, je crois vraiment que c'était le Fils de Dieu qui était là. Et il va commencer à lutter. Mais mettez-vous à la place de Jacob. Je crois qu'il comprend très vite ce qui se passe. Vous savez pourquoi il lutte en fait ? Moi j'ai compris ça. Pourquoi il lutte ? Parce que tu as rencontré un homme, vous ne luttez pas avec lui. Pourquoi il lutte ? En fait, c'est expliqué dans le texte. Il lutte parce que Jacob ne veut pas qu'il parte. Pour ça qu'il lutte. Parce que Jésus, appelons-le comme ça, veut partir. Et Jacob dit ta. Moi, je n'ai pas passé le gué de Jabok pour rien, moi. Moi, je veux franchir un palier. Moi, je veux franchir une étape. Moi, je veux aller plus loin avec toi. Je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. C'est une des plus belles paroles pour moi, en tout cas dans mon cœur. Quelque chose qui m'a toujours touché, de répéter cette parole en boucle dans mon cœur et de le répéter à l'église. Et c'est pour ça qu'ils se battent, en fait. Non, 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 où tu vas, là ? Non. Tu m'imposes les mains. Ah non. Seigneur, je t'en supplie. Tu peux pas partir. Imaginez ce temps d'intercession, de supplication. Ça, c'est ce qui s'appelle une prière. Ça, c'est un temps de prière. C'est la vraie bagarre. Oh non, Seigneur. Là, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai vraiment besoin de toi. Il faut vraiment que tu me bénisses. Seigneur, là, je veux plus que tu me bénisses pour moi, pour que je sois. C'est plus ça, Seigneur. Là, j'ai ma femme. J'ai mes enfants. Seigneur, on est en danger, j'ai vraiment besoin de toi. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin d'être sauvé. Parce que dira-t-il une fois qu'il sera béni ? Mon âme a été sauvée. Mon âme a été sauvée. Quel symbole extraordinaire. Il va renommer ce lieu Péniel. Et ça, ça m'a tout de suite fait tilt dans la tête. Péniel, ça veut dire Dieu face à face, si vous préférez. Péniel, ça veut dire ça. C'est pour ça qu'il dit, j'ai vu Dieu face à face. Et Péniel. Pourquoi ça m'a interpellé ? Parce que je me suis souvenu de Job, qui avait passé un palier lui aussi. Autrefois, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil te voit. Pouf ! Next, niveau supérieur. Maintenant, je te connais plus, mon Dieu.
Maintenant, ma foi, elle est comme, oh, tu l'as rendue inébranlable. J'ai l'impression que je crois en toi, que même la mort ne pourrait même plus m'enlever le fait que je sais que tu es vivant. Je suis passé de je crois à je sais. C'est ça, en fait, hein, dont il est question. Passer un cap. Nous pouvons tous passer un cap. Si Job, un homme intègre et droit, comme la Bible le décrit, comme Dieu lui-même le décrit à l'ennemi, eh bien, a pu passer un cap, je crois que nous le pouvons aussi. Alors, as-tu envie ? Oh, je ne sais pas si je vais réussir, mais ce soir, j'aimerais vraiment vous transmettre cette envie. Ce qu'il y a de bien avec le Seigneur, c'est que lui, il sait nous donner envie. Vous savez, la Bible dit qu'il crée le vouloir et le faire. Et ça, il le fait parfaitement. C'est que Dieu, là, il peut te donner envie, là, tout de suite. Tu peux sortir de ce lieu en te disant, moi, je n'ai jamais eu autant envie d'aller prier. J'ai jamais eu autant envie d'aller me mettre dans la présence. Qu'est-ce qui se passe ? Là, tout de suite, Dieu peut le faire. Vous savez comment Jésus faisait pour que des foules entières avaient envie de le suivre ? Ah, il faisait des miracles. C'est vrai. Attendez, Jésus ne faisait pas ça pour avoir la gloire, hein, vous avez compris ? Dieu faisait ça. Jésus faisait ça pour les faire passer tous un cap. Il voulait tous qu'ils viennent à lui. Tout ce qui se convertissent, la Bible dit dans Jean 6, 2, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Le but de Jésus était de faire franchir un cap à ceux qui le désiraient. Ce n'est pas la gloriole qui l'intéressait. C'est pour ça que le jour, rappelez-vous, où il priera pour Lazare, il va dire, ce n'est pas pour moi que je prie. Hein. Jean chapitre 11, je ne prie pas pour moi là. Seigneur, moi je prie pour eux. Et si je veux que ce miracle ait lieu, c'est pour eux, afin qu'ils croient. Et on pourrait rajouter, afin qu'ils passent un cap, un palier. Je ne sais pas, peut-être qu'au milieu de nous, il y a une personne qui doute encore dans son cœur. C'est possible. Tu crois peut-être que Dieu existe, mais tu doutes des miracles. Ok. Si là, devant toi, Jésus guérit, même, je dirais, si devant tes yeux, Jésus ressuscite un mort, ta foi va être à un autre niveau, on est d'accord ? C'est évident. Je racontais ce témoignage, on était sur Saint-Étienne-du-Rouvray, dans un camp de Rome. J'ai déjà raconté ça, mais peut-être que vous ne l'avez jamais entendu pour certains. Donc quand on était là-bas en Normandie, à Saint-Étienne-du-Rouvray, voici que il y avait une église. En fait, on est allé dans un camp de Rome. On avait le sentiment d'être dans un autre pays. Il y avait des roulottes, tu vois, à l'ancienne, avec des rats partout. C'était un truc. Waouh. Et puis le seul bâtiment en dur, c'était l'église. Vous voyez, ils avaient construit l'église. Et le fondement de cette église, c'est un miracle absolument extraordinaire de Jésus-Christ. C'est le fondement de cette église. Il y avait un petit pasteur manouche, il s'est dit, ben moi je vais aller chez eux, je vais aller parler du Seigneur à mes frères roms, même si on ne se comprend pas. Alors il a commencé à prêcher, les gens ne comprenaient pas, il y en avait deux, trois qui commençaient à comprendre, puis qui ont commencé à se convertir, puis parler aux autres, mais personne ne voulait entendre parler du Seigneur. Et puis un jour, un drame sur le camp. Voici que un homme prend sa caravane et il écrase son neveu. Alors là, c'est le drame, ça. C'est le camp est retourné et tout. Ils viennent tous voir le pasteur. La pression du pasteur à ce moment-là. Là. Vous imaginez ? Ok, tu nous as prêché que Jésus il ressuscitait les morts. Tu nous as prêché que Jésus guérissait les malades. Eh ben, c'est le moment de nous le montrer là. Ils lui ont dit, si tu fais ça, tu nous vois là, on se convertit tous. Devinez ce qui s'est passé. Ben oui, ils sont tous convertis. Moi, j'ai vu le petit gamin là, passer dans le camp. Il allait bien. Les médecins disaient que c'était fini. Dieu l'a relevé. Alléluia. Alléluia. Ben, si tu vois ça, ta foi, c'est plus la même. Demande-leur à eux. Ils croient tous, hein. Nous, quand on est dans l'église, je bouchais mes oreilles tellement j'en pouvais plus. Ils chantaient fort, mais fort. J'en avais mal aux oreilles. Mais alors, ils chantaient de tout leur cœur. De tout leur cœur. Et là, tu pouvais que dire, Seigneur, que tu es grand. Tu passes un cap quand tu vois ça. Tu vas plus loin. Ta foi, elle est édifiée. Tu grandis avec Dieu. Oh, le Seigneur pourrait tellement
te donner envie même dès ce soir. Tout ce que le Seigneur a fait pour toi jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'il s'apprête à faire pour toi, peut-être des miracles, des bénédictions, des paroles qu'il t'a données au travers de la prédication, on se bute te donner envie d'aller plus loin, te donner envie de le suivre. C'est la raison pour laquelle il y a ce verset, j'aime beaucoup, psaume 37, 4, vous le connaissez, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » Notez que c'est un cercle vertueux. Parce que plus tu fais de l'Éternel tes délices, lui il te bénit, donc forcément tu vas refaire de l'Éternel encore plus tes délices. C'est un cercle vertueux qui te fait franchir des caps. Tu vas plus loin, tu montes plus haut, oh que c'est beau. Veux-tu franchir un cap ? Veux-tu avoir envie ? Ok, ça c'est le premier point. Et le premier point plutôt agréable. Voilà, ça fait du bien. Il y a le deuxième point. Et je vous le dis tout de suite, il est moins agréable déjà. Deuxièmement, pour aller plus loin avec Dieu, pour franchir un cap, il faut aussi savoir payer le prix. Et là, c'est tout de suite moins rigolo. Être béni, c'est franchement plus attirant que de payer le prix. Et pourtant, c'est très souvent le sacrifice qui nous emmène le plus loin avec le Seigneur. Faites attention, je ne vous parle pas forcément de mourir, mais la Bible, lorsqu'elle nous parle dans Genèse chapitre 32, par exemple, au verset 24 et 25, on peut mettre verset 25, de Jacob, on pense que pour Jacob tout s'est bien passé, voilà, il a eu son combat, mais il y a un détail qui doit vous arrêter sur Jacob le jour de son combat. Verset 25, voyant qu'il ne pouvait le vaincre, donc cet homme, Jésus, le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Très important, verset 31, si tu veux bien mon frère, verset 31, aussi toujours de Genèse 32, et là il est écrit ceci. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel, Jacob boitait de la hanche. J'ai fait une lecture dans la parole de Dieu, des recherches, et tous les commentateurs bibliques sont d'accord pour dire que dès ce jour-là, jusqu'à la fin de sa vie, Jacob va boiter. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte quand on lit le texte. Bien sûr, il a été béni, et bien sûr que lui-même pourra transmettre la bénédiction, vous savez, aux 12 pères des tribus. Bien sûr, mais il en a payé sur son corps un prix. Ok, je ne suis pas en train de te dire que le Seigneur va te blesser, d'accord ? Je ne suis pas en train de te dire que Dieu va te faire du mal. Je suis simplement en train de te dire que c'est un état de cœur. On ne peut pas, vous le dis, c'est impossible d'aller plus loin avec le Seigneur sans payer le prix. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et on le voit dans ce texte, mais on pourrait reprendre simplement ce que Jésus va dire. Marc 8, 34, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Quelle parole puissante! Écoute bien, si tu comprends ce texte, tu comprends cette parole, eh bien tu vas automatiquement franchir un cap. Parce que là, il y a des mots, peut-être pour les nouveaux, mort à soi-même, se charger de sa croix, qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai quand même pas porté une croix pour ressembler, pour franchir un cap. Qu'est-ce que c'est que ces notions évangélico-chrétiennes ? Je vous propose d'y répondre en revenant à l'histoire de Pierre. Pierre avait le désir de suivre Jésus, nous l'avons vu. Et Pierre était convaincu qu'il était capable de faire et de vivre n'importe quoi pour Jésus. Mais Pierre devait comprendre quelque chose sur lui-même. Ce que nous savons, qu'il n'était pas prêt. Pierre avait besoin d'apprendre à renoncer à lui-même. Pierre avait besoin de comprendre qu'il lui fallait payer le prix. Pierre avait besoin de mourir à lui-même. C'était cette notion non plus que Pierre n'avait pas compris. Jésus lui dira, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante,
tu me renieras trois fois. » Et ce que Pierre ne savait pas, c'est que cette parole était prophétique et que de toute façon, elle allait se réaliser. En effet, Pierre, qui pensait être un jusqu'au boutiste de Dieu, se verra prendre la fuite lors de l'arrestation de Dieu et de Jésus, pardon, parce que la Bible dit dans Matthieu 26, 56, tous les disciples l'abandonnèrent, et puis il va se passer quelque chose. Et ça, c'est très important de revenir dessus. On trouve ça dans Matthieu 26, 58. Est-ce que tu peux le mettre, mon frère? Regardez ce qu'il est écrit. Matthieu 26, 58. Et ça m'a tout de suite interpellé. Je me suis dit, ouais, si on n'accepte pas de payer le prix, c'est le problème dans lequel on peut tomber. Pierre le suivit de loin. Pierre va suivre Jésus de loin. Je voudrais faire une image. Vous allez tout de suite la comprendre. Il nous est arrivé de suivre Jésus de loin et non pas de près. C'est-à-dire que comme on ne renonce pas à nous-mêmes, on ne donne pas tout. On veut bien le suivre, mais comme ça, vite fait, quoi. Et avoir notre vie en parallèle. Et toute notre vie, même si on chante « Je te donne tout, je te donne mon cœur », toute notre vie n'est pas à Christ. Et on le suit, mais de loin, on vient à l'église, mais tout n'est pas encore acquis pour le Seigneur. C'est comme si on voulait bien les bénédictions, les guérisons, comme une grande partie de la foule, rappelez-vous. Mais lorsqu'il s'agit de suivre et abandonner, certaines choses, c'est plus compliqué. Le renoncement à soi-même, c'est renoncer à ce qui passe avant Dieu dans ta vie et dans nos vies. Prenez ce jeune homme riche. Jésus va lui dire, va, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. C'est que je possède beaucoup quand même. Alors Jésus, je veux bien là, mais t'as pas vu la maison que je viens de faire construire? Et oh, t'as pas vu la voiture que je viens d'acheter? Je viens de m'acheter un Range Rover TDV8 Vogue, 272 chevaux. Ceux qui savent comprennent pourquoi je dis ça. Ah non, non, Seigneur, non, non, c'est hors de question. Ça coûte. C'est ça, mourir à soi-même. C'est accepter de dire, ok, Seigneur, ce que tu me demandes, je le ferai parce que tu passes à la première place. Le reniement de Pierre va se concrétiser. On ne l'a pas lu, mais je peux peut-être vous lire quelques mots aussi et là, triés sur le volet. Matthieu 26, 69, une servante s'approcha de lui et dit à Pierre, toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il va répondre, verset 70, je ne sais ce que tu veux dire, premier reniement. Deuxième, une autre servante le vit, verset 71, et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. 72, il le nia de nouveau avec serment. Sur l'honneur, il n'était pas avec Jésus, c'est ça. Et après, avec des imprécations, puisque il est dit, verset 73, peu après, ceux qui étaient là s'étaient approchés, dire à Pierre, certainement tu étais aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors 74, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, il le fit avec des imprécations, c'est-à-dire en jurant, en disant, oh non, devant Dieu, j'étais pas avec Jésus. Vous savez, il y a des gens qui utilisent le devant Dieu en mentant. Il ment, il est devant Dieu, je mens. Voilà, devant Dieu. Et j'espère que vous n'êtes pas de ceux-là. Et ce qu'on va faire, Pierre, quelle désillusion pour lui. Il pensait qu'il avait la force. Moi, je me mets quand même à sa place parce que j'y étais. Parfois, par mon comportement, j'ai renié Jésus. Vous savez, moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Hein. Donc, quelque part, je savais quelle était la vérité. Et combien d'années j'ai renié Jésus? Combien d'années je me suis comporté comme un faux? Comme un faux! Vous savez, la problématique, c'est que j'étais le roi du mensonge et de l'hypocrisie. C'est terrible. Seigneur Dieu, combien de fois j'ai été comme Pierre? Alors non, je ne lui jette pas la pierre à Pierre. Non. Au contraire, je m'identifie. Et je veux voir ce que tu as fait de lui. Non ? Oh Seigneur, c'est cet homme-là, là ? Les trois épîtres de Pierre, c'est lui ? Oh oui, c'est lui. C'est lui qui parle aussi bien. C'est lui le fondateur de l'église de Rome. Oui, mais attention, la bonne église de Rome.
comprendront ceux qui veulent. C'est lui, c'était lui, le même homme. Un cap de franchi. Alléluia. Un cap extraordinaire de franchi. Pierre, après avoir renié le Seigneur, nous dit la parole de Dieu, pleura amèrement, avec de l'amertume. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai dit? Il le fallait, Pierre. Pierre, il fallait que tu te rendes compte de ce dont tu devais renoncer. Parfois, on a besoin de se rendre compte. Et ça nous fait mal parfois, on est comme Pierre peut-être, on est amer se disant, mais ouah, quand même, moi qui pensais que j'en suis là. Mais le Seigneur ne te fait pas pour t'humilier, le Seigneur ne fait pas ça pour nous dire, oh, t'es un raté, reste à ta place. Non, au contraire, c'est pour te faire franchir un cap, c'est pour que débloquer la situation. Il y a un blocage, il faut que ça se débloque, il faut retirer ce qui bloque ta vie, ce qui t'empêche de passer sur le palier supérieur. Pierre avait besoin de réaliser qui il était vraiment. Il avait besoin de savoir à quoi il n'était pas prêt, malgré toute sa prétention à se préparer pour suivre le Seigneur Jésus. Il avait besoin de savoir quel prix ça lui coûterait de franchir un cap avec le Seigneur. Si tu veux suivre le Seigneur, si tu veux franchir un cap dans ta vie spirituelle, dans ta vie chrétienne, sois d'abord prêt à renoncer à toi-même. C'est la chose la plus extraordinaire qui soit. Alors ça coûte, c'est vrai, mais il faut quand même que je te dise ce que ça peut apporter. Je dirai ça tout à l'heure. Pour l'instant, je vais te donner peut-être quelques exemples de personnes qui ont pris conscience qu'ils avaient peut-être des choses sur lesquelles ils devaient renoncer pour aller plus loin. La Bible dit dans Matthieu 8, 19, un scribe s'approcha de Jésus. Elle lui dit, maître, je te suivrai partout où tu iras. Je pense aussi qu'il est sincère. Il n'y en avait pas beaucoup des scribes sincères. Hein, mais là, il y en a un. Et lui, moi, je pense qu'il est sincère. Mais Jésus va lui répondre, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Jésus est en train de dire, mais tu sais, moi, il n'y a pas de confort quand on me suit. Hein. Toi, les apôtres qui sont là, des fois, on dort à même le sol. On est en mode camping. Donc je veux bien moi, mais attention. Et là, très certainement Jésus qui connaît les cœurs a vu juste, s'est dit, le gars s'est dit, ouais d'accord quand même. Et puis il y a peut-être plus pointu que ça, peut-être un peu plus profond. Regardez bien, Matthieu 8, 21, un autre d'entre les disciples lui dit, Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon père. Ah, quand même, Seigneur, là, je viens de perdre quelqu'un dans ma famille, je vais ensevelir mon père. Bon, réponse du Seigneur, mais bien sûr, tu peux y aller. Eh ben non. Et ça, c'est fou. Parce qu'il faut quand même l'accepter, ce Jésus-là. C'est ça, Jésus aussi. Il dit des choses qui ne vont pas dans notre sens. Il dit des choses qu'on ne comprend pas toujours. Et pourquoi tu dis ça, Seigneur? Seigneur, il va dire quoi? Suis-moi et laisse les morts ensevelir leur mort. Oulou. Là, on est comme un sacré level. Hein. Mais remarquez qu'il parle à un de ses disciples, d'accord? Il parle à quelqu'un qui est averti, vous remarquerez. D'accord? C'est quand même important de le dire. Mais enfin, quand même, c'est high level, là. Moi, je me mets à la place de ce gars-là. Je pense que ce serait compliqué pour moi. Compliqué pour moi. Mais si tu le fais, t'imagines ce que tu vas vivre? Si tu obéis à Jésus là, est-ce que tu peux juste imaginer ce qui t'attend? C'est ça. C'est à cela qu'on ne réfléchit pas toujours. Bon, comprenez-moi bien quand même, Jésus n'est pas en train de dire qu'il faut abandonner tout le monde, les membres de ta famille. C'est pas ça. Jésus, en fait, la réalité de ce qu'il dit, c'est où est ton cœur? C'est ça qu'il dit. Là où est ton cœur, là est ton trésor. Où est ton cœur? Tu serais prêt vraiment? Aller jusqu'au bout avec moi, comme il l'a dit à Pierre. Je vais entamer cette conclusion. Il n'est pas un homme de Dieu que j'ai pu connaître ou ceux qui sont dans la parole de Dieu, non plus une femme de Dieu
que j'ai pu connaître ou celles qui sont dans la parole de Dieu, qui aient regretté de suivre le Seigneur. Pas un. Je n'ai jamais entendu en pastoral un frère dire, vous savez les frères, j'ai 60 ans de ministère, et après 60 ans, j'aimerais vous dire tous mes regrets que d'avoir servi le Seigneur. J'ai jamais entendu ça, et je n'entendrai jamais ça. Tous les anciens disent, si j'avais encore ma jeunesse, et si j'avais encore 40 ans ou 50 ans devant moi, je servirais encore le Maître. Il y a un vieux pasteur, je ne vais pas dire de quelle ville, puisque on est sur Internet, qui est toujours, il a plus de 80 ans passés, il est toujours, non je crois que c'est plus le cas, mais encore l'année dernière, il était pasteur principal de son église. Et mon beau-père, qui s'est converti avec lui, est allé le trouver en lui disant, mais frère, pourquoi vous n'êtes pas à la retraite? Ça fait plus de 20 ans que vous devriez être à la retraite. Ben, le frère, il a répondu, mais moi j'ai donné ma vie au Seigneur. Je n'ai pas donné une partie de ma vie. J'ai donné ma vie. Je le servirai tant que je vivrai. Là, frisson, quoi. Dis-moi. Non, je n'ai jamais connu un homme de Dieu qui regrettait d'avoir servi le Seigneur. Ce même Pierre dont nous avons retracé une partie de l'histoire ne va pas regretter non plus, au point même qu'il acceptera de mourir pour Christ. Il va mourir pour lui. C'est quand Jésus le réhabilite dans Jean 21. Il veut lui dire, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, on y revient, hein, les frères anciens. Hein, quand tu seras vieux, un autre te saindra et te mènera où tu ne veux pas. Quoi ? Pierre aller où il ne veut pas aller ? C'est qui ce Pierre-là ? Ce n'est pas le Pierre de la parole de Dieu. Il est capable de contredire Jésus, lui. Quand Jésus lui dit, tu sais quoi, il faut que je meure. Non, Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Et ce Pierre-là, il va, oui, waouh. Lisez les épîtres de Pierre, elles sont extraordinaires. Quel cap passé pour Pierre. Jésus lui disait ça pour indiquer par quelle mort il allait glorifier Dieu. Et ainsi parler, Jésus va lui dire, suis-moi. Passe le cap. Franchis l'étape, Pierre, va plus loin. Il y a encore un cap à passer. Oh oui, Pierre va le passer. Le Pierre des quatre évangiles ne doit pas être le Pierre des actes des apôtres, c'est pas possible. Non, parce que le Pierre des actes des apôtres a tout d'un extraterrestre, excusez-moi. Moi, j'ai jamais vu une ombre qui guérissait les malades. J'ai passé devant toi tout à l'heure, j'espère. J'ai jamais vu ça, moi. Son ombre guérissait les malades. T'es tellement proche de Dieu. Une telle onction. Lisez ce qu'il dit aux chrétiens persécutés de l'Asie mineure. Oh, quel frère! Quel frère! Vous l'auriez à ma place, vous seriez encouragé, tellement encouragé. Puis l'église serait plus grande. Ah oui, on serait une méga church, si c'était Pierre le pasteur ici. Parce que lui, une prédication, 3000 personnes qui se convertissent. Ok, papa Pierre, j'ai tout à prendre là. Explique-moi la vie, parce que là, il faut que tu me dises, c'est quoi ton secret, mon secret? C'est de tout donner à Christ. Je l'ai, j'ai plus d'excuses. On a tous plus d'excuses d'une certaine façon. Quel cap passé. D'autres que Pierre ont franchi ce cap pour terminer. Jacob a franchi ce cap. Et lui, ce sera matérialisé d'une certaine façon par son nom. Il ne sera plus Jacob, il sera Israël. Amen. Il sera cet homme de Dieu, ça doit être le nom biblique le plus connu du monde, Israël. Hein, puisqu'il y a un pays dont on parle tous les 6 mois, aux informations, pendant 6 mois. D'accord, c'est tous les 6 mois pendant 6 mois. Là, ça fait un moment qu'on n'a pas entendu parler d'Israël, ça va revenir l'année prochaine. Prenons également l'apôtre Paul, quel exemple lui aussi de cap franchi. Vous avez l'impression qu'il en franchissait toutes les minutes, lui, des caps, l'apôtre Paul. C'est encore un autre niveau. Mais il disait bien, il parlait bien de ce renoncement dans Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il avait une particularité. Vous savez, souvent on parle des miracles, c'est vrai, des visions qu'il a eues, des choses ineffables qu'il ne saurait dire. Il a fait que des choses extraordinaires, mais moi ce que j'aime bien retenir chez Paul, c'est sa propension à se réjouir et être bien partout.
C'est-à-dire que lui, il peut être bien quand tout va bien, mais quand tout va mal, Paul, il est bien. C'est devenu un homme fidèle à lui-même. Lui, il disait, je me réjouirai. Alors, il dira ça à qui ? Je crois que c'est, aux Colossiens, chapitre 1, verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Quoi ? Vous connaissez beaucoup qui se réjouissent dans leurs souffrances ? Il y a un moment donné où vous vous dites, mais attendez, mais à quel niveau ? Il avait tellement franchi un cap que la présence de Dieu était tellement sur lui que plus rien ne l'atteignait. Tous les problèmes de la terre, rien, il n'y avait plus rien qui l'atteignait. C'est fou ça. J'en suis pas là, je ne sais pas vous, mais par contre, ça me donne envie. Parce qu'on a encore de la marge de progression, vous voyez les frères et les sœurs. On a encore de la marge de progression. On peut arriver à ça. Quel que soit le combat, quelle que soit la difficulté, tu vas bien, purée. Je me suis jamais senti aussi bien. Qu'est-ce que tu dis là ? Tu as des problèmes, tu as des souffrances, tu as des maladies. Comment tu peux dire ça ? Tu m'as dit que j'ai des souffrances, des maladies, tu m'as pas dit que j'avais Jésus. C'est pour ça que tu comprends pas ? Ah ouais. Franchir un cap, frères et sœurs, je crois que c'est possible. Mon but là, c'est simplement de vous laisser méditer. On a ce temps de juillet, ce temps d'août qui va arriver. Au mois d'août, on aura beaucoup moins de réunions parce que moi, je ne serai pas là et beaucoup d'entre nous ne seront pas là. Mais ça va nous laisser peut-être le temps de méditer la parole, méditer toutes ces choses, se dire c'est vrai, Seigneur, quel objectif je pourrais me fixer pour cette année à venir ? Comment je pourrais encore grandir ? J'ai vraiment à cœur que dans l'Église, que ce soit dans l'organisation, matériellement, mais surtout spirituellement, nous grandissions encore. Que nos natures soient encore transformées, bouleversées, qu'il y ait au milieu de nous encore des miracles. Je bénis Dieu pour les miracles que nous avons vécus dans cette année écoulée. Gloire à son nom. Mais je suis convaincu qu'il peut faire plus. Parce qu'on n'a pas encore vécu le coup de l'ombre qui guérit. D'accord ? Ce serait bien que nous le vivions, pourquoi pas. Il y avait même des mouchoirs qui guérissaient. Ce n'est pas les mouchoirs qui guérissaient, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Je vous invite à fermer vos yeux. Oh, Saint-Esprit, tu es là ce soir. Oh, je te bénis, mon Dieu. Parce que ce soir, tu nous dis, franchis un cap. Ce soir, tu nous dis, franchis un palier. Seigneur, tu as des objectifs toujours plus élevés pour nous parce que toi, tu habites le ciel. Et que ton nom est aussi le Très-Haut. Seigneur notre Dieu, c'est vrai que nous avons du chemin, mais nous voulons nous laisser challenger par ta parole et nous dire, hey, les apôtres vivaient ces réalités. Nous pouvons les vivre. Seigneur, fais croître notre foi. Seigneur, nous avons envie, nous avons des désirs que nous voulons voir croître pour toi, avoir encore plus besoin de ta présence, avoir encore plus besoin, Seigneur, de te louer, de t'adorer, de lire ta parole et de te connaître, Seigneur. Mais nous voulons aussi apprendre à renoncer à ce qui bloque nos vies. Et Seigneur, chacun d'entre nous, à notre niveau, nous avons des choses à laisser sur le chemin. Des choses peut-être parfois à te confesser. D'autres choses qui sont là et qui nous gênent. Et nous voulons, je le crois, je crois que c'est le désir en tout cas de chacun d'entre nous, nous voulons renoncer à ces choses. Afin d'être plus près de toi, afin de pouvoir dire comme Job, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit, il te considère, il t'admire. Ô Seigneur notre Dieu, permets-nous d'aller plus loin avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Voici, c'est la fin de cette réunion. Bon, je n'ai pas été trop long puisqu'on a comme on a fini un peu dans les temps. Simplement, je salue les frères et sœurs qui nous joignent sur YouTube. Je regarde simplement s'il y a des nouvelles personnes. Non, j'ai l'impression que c'est bon. Voilà, que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, bon retour à chacun. Et à dimanche et jeudi après-midi 15h et dimanche 10h. Bon retour. De rien, Lucie.